Hello les aficionados et bienvenue sur Cigar TV pour cette nouvelle Déguste Express. Aujourd'hui, la Déguste Express du Horatio Passion 42. Alors, je vous avais déjà présenté cette série et voici qu'aujourd'hui, je vous propose la dégustation du Petit Corona de la nouvelle série Passion de chez Horatio. Un Petit Corona qui coûte dans l'Hexagone 12,90€. Alors, comme vous le savez, la série Passion, c'est vraiment un hommage aux anciens modules, aux modules cubain, il s'agit encore une fois d'un cigare du Nicaragua. J'ai ouvert évidemment ce cigare à l'emporte-pièce, très bon tirage, et au niveau des arômes crus, on est autour du végétal, du poivre, avec un tout petit peu d'épices. Alors là, à l'allumage, le cigare est tout de suite franc, direct. Alors c'est sûr qu'on est exactement sur la même liga que sur les autres séries Passion, et là, sur la taille du module, c'est-à-dire sur un petit Corona, évidemment, les arômes sont plus concentrés, donc on a un cigare là qui, pour l'instant, en tout cas à l'allumage, est vraiment franc et vif. On a tout de suite des arômes autour du poivre, autour aussi de l'animal avec un tout petit fond de cuir, mais c'est surtout le poivre et les épices qui sortent en premier plan au début de la dégustation de ce cigare. Je dois dire que j'apprécie d'ailleurs particulièrement la qualité de la cape, la qualité du roulage de fabrication de ce cigare, comme de toute la série Passion. Alors là, au niveau du tarif, par contre, c'est sûr qu'à 12,90€, ce cigare est peut-être le moins intéressant d'un point de vue rapport qualité-prix, car pour quelques euros de plus, on a des cigares qui vont être dégustés vraiment sur une durée beaucoup plus longue. Mais là, ce cigare s'adresse à ceux qui cherchent absolument ce type de module. Donc en l'occurrence, ici, un petit Corona. Car c'est un cigare typique au niveau du module et aussi qui conviendra parfaitement lorsque l'on cherche à déguster un cigare en environ 30 minutes. Pourquoi pas pour accompagner un café ou bien encore à l'heure de l'apéritif. Désormais en plein dans le premier tiers, on a une montée notamment des épices, mais on a aussi ce côté sous-bois, ce côté cuir qui est de plus en plus présent avec une jolie longueur en bouche. Pour l'instant, ça tapisse bien le palais. On n'est pas sur une puissance folle, on va dire, on n'est pas sur un cigare extrêmement puissant, mais on est sur un cigare qui a déjà du caractère. Les notes fongiques aussi font leur apparition là depuis quelques temps. Le cigare devient de plus en plus complexe aromatiquement. Donc là, désormais, je suis en plein dans le second tiers et vous allez me dire, comme d'habitude évidemment, le cigare s'arrondit, on a un côté beaucoup plus cuir, les arômes sont beaucoup plus fondus. Et au niveau de la puissance, on reste vraiment sur un cigare avec une puissance moyenne. On va dire, là, je suis en fin de matinée et c'est absolument parfait pour ce moment-là de la journée. C'est pour ça que je me répète, mais je pense que c'est un cigare qui pourrait aussi parfaitement convenir au moment de l'apéritif le soir. Depuis quelques temps, j'ai aussi des notes herbacées qui sont venues se rajouter au reste, au côté sous-bois, cuir, épices. C'est intéressant parce que je trouve que ça rafraîchit notamment le palais. Là, actuellement, sur le dernier tiers, j'ai aussi des notes de poivre de plus en plus marquées au niveau des arômes. Le cigare reste par contre au niveau de la puissance, toujours sur cette puissance moyenne, moyenne forte quand même sur la fin de la dégustation. Et bien voilà, j'arrive désormais à la fin de cette Déguste Express de ce Passion 42 de chez Horatio. Et je dois dire que c'est un cigare qui s'adresse à tous les amateurs de ce type de module, des modules d'antan, des modules que l'on ne trouvait plus forcément. Et je leur tire un coup de chapeau d'avoir osé sortir ce module dans cette nouvelle série, cette nouvelle ligne Passion. C'est aussi un cigare qui s'adresse à ceux qui apprécient les cigares riches aromatiquement, mais qui ne sont pas non plus écrasants, pareil au niveau de la puissance. Et pour moi, il convient parfaitement, pourquoi pas en fin de matinée avec un café ou bien encore l'après-midi avec, pourquoi pas, un thé glacé. Amis aficionados, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube ainsi qu'à vous abonner et à souscrire à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigar TV.